et bienvenue dans ma nouvelle vidéo YouTube. Je vous propose que vous me suiviez toute la journée parce qu'aujourd'hui je suis au CERF de Cap-Breton, au centre de rééducation. Donc ça vous permettra de voir un petit peu mon quotidien là-bas parce que c'est vraiment vraiment très dur. Bon alors déjà ma matinée elle commence très très bien puisque j'ai préparé la veille les petits pancakes de Clément. Hop, d'ailleurs vous avez vu, il y a un membre qui a rendu là. Moi c'est un peu différent parce que je prends ma petite crêpe au chocolat noir et au miel de AW Coaching. Donc c'est une crêpe assez protéinée. Je ne connais pas les placards d'ici encore. C'est vrai que c'est l'un des seuls suivis alimentaires que j'arrive à garder sérieusement parce qu'ils se sont adaptés à mes préférences et à mes habitudes alimentaires. Moi qui suis complètement folle de chocolat, et ben genre j'ai pas eu besoin de le supprimer. Donc ça c'est plutôt très cool. Mais juste je le consomme d'une forme différente en fait. J'ai prêt avant qu'on se pose pour manger. Ma petite routine du matin, c'est d'aller chercher ma glace au congélateur et puis de la mettre sur mon genou. Plus qu'à mettre mes chaussures et c'est parti. Là, je sais pas si vous voyez, j'ai mis mon attelle. On s'est mis d'accord avec les médecins pour que je garde mon attelle lorsque je suis pas dans la structure. Parce que ben, le risque c'est par exemple que je loupe un trottoir ou un truc comme ça. Que ben, mon ligament interne qui a été partiellement rompu, ben, qu'en fait il guérisse mal et pas assez vite. Donc, du coup, on prend aucun risque. Je suis à quelques centaines de mètres du CERS. Sauf que il y a comme une tempête depuis quelques jours. Il faut que je me présente à l'accueil parce que ça fait plusieurs jours et je ne l'ai pas encore fait pour donner ma carte vitale, ma carte de mutuelle, je sais pas quoi, etc. Et ensuite, bim, c'est parti. Première séance finie. Donc là j'ai fait 4 fois 3 minutes à fond, à fond, à fond, à fond, avec une minute de pause entre chaque série. J'en peux plus d'ailleurs. Je bois un petit coup. Donc voilà. Là j'ai 5 petites minutes de pause. Juste tenir maintenant la caméra, ça me déchire le bras. Et du coup là 5 minutes de pause et ensuite j'enchaîne sur un protocole vélo, une demi-heure de vélo en rythme élevé mais stable. C'est parti. Thank you.
c'est, on fait vraiment à peu près les mêmes séances chaque jour. Le but, c'est vraiment de renforcer un maximum le genou pour le stabiliser. Donc du coup, c'est beaucoup de répétitions, beaucoup de travail en isométrie, etc. Donc voilà, c'est, même s'il y a beaucoup de variantes, au final, ça revient à peu près toujours au même. Pendant une heure et quart, on bosse à fond, fond, fond le genou. Retour à la maison, comme vous avez pu le voir, j'ai enchaîné le cardio des bras avec ma séance vélo et ensuite en plein milieu de ma séance de renforcement qui a duré une heure et qui a été très très fatigante musculairement. En fait, j'ai plus eu de place dans ma carte. Ce matin, j'ai du coup enchaîné, en plus de tout ce que je vous ai montré, une séance muscu haut du corps parce que la salle exceptionnellement est fermée à partir de 16h. Puisque après, il y a l'armée qui vient s'entraîner. Donc du coup, ma séance que j'ai normalement de 16h à 17h, musculation haut du corps, du coup, ben, je l'ai faite là entre 11h et midi. J'ai fait 8 fois pousser, 8 fois tirer, ensuite 1 minute de récup. Et ça, j'ai fait ça 8 fois. Donc au final, c'était pas ce qu'il y avait de plus fatigant musculairement. Mais nerveusement, c'était un peu dur parce que du coup, il fallait aller à fond. Travailler de l'explosivité, ça, c'est vrai que ça faisait un petit peu longtemps que j'avais pas travaillé l'explosivité, mais du coup voilà, super bonne matinée, je suis super contente du travail qu'on a fait. Petite patate douce caramélisée au miel et à la cannelle. Et moi, je m'ai préparé un bon petit plat et je vais directement mettre du froid sur ma jambe. Voilà, c'est tout le temps. J'essaye d'en mettre deux fois le midi quand je rentre. Maintenant, je me repose et je mets la coupe douce. Tout le monde, on s'est vu toute la journée. Bon allez, c'est parti pour un second round. Cet après-midi, on repart pour 1h15 environ de renforcement musculaire à fond sur les genoux. Et ensuite, il y aura 1 heure de préparation physique dans la piscine. Donc c'est vraiment agréable et un petit peu moins dur. Même si ça reste quand même dur musculairement, c'est quand même beaucoup moins dur et beaucoup plus relaxant. C'est parti mon kiki.
Du coup, la piscine, ça s'est super bien passé. On a fait pas mal de mobilité et tout, comme sur une chaise invisible, et puis on devait pédaler et tout avec les jambes. Et après, on a fait pas mal de prépa physique, etc., sur les mollets, sur les quadriceps, une heure dans l'eau, et puis c'était suffisant, c'était fatigant, et ça y est, j'ai fini ma journée. Il est 16h30, je prends mon petit goûter. Et ensuite, avec Clément, on va aller faire des petites courses parce que y a mes parents qui viennent exceptionnellement ce week-end avec les trois petits monstres. Il en faut pour tous les goûts, donc du coup, trois petits monstres, trois petits gâteaux. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura plus éclairé sur le quotidien, mon quotidien au CERS de Cap-Breton. Donc voilà, l'aventure continue et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, j'allais presque oublier. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo.